Il existe plusieurs plantes que vous pouvez utiliser pour améliorer votre activité d'élevage de poulets. Et parmi ces plantes, on ne peut pas ignorer les feuilles de papayer qui ont d'énormes vertus dans cette activité d'élevage de poulets là. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment les feuilles de papayer peuvent vraiment vous aider à prévenir et soigner les maladies dans votre élevage de poulets en vous permettant d'atteindre des résultats vraiment excellents. Restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer parce que à la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi vous devez absolument commencer par utiliser ces feuilles-là dans votre activité d'élevage de poulets. Sans plus tarder, c'est parti. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes nouveau, je suis Mib Amouzou et ici je vous parle d'élevage en Afrique. Aujourd'hui, nous allons voir 5 vertus des feuilles de papayer dans l'élevage des poules. Mais bien avant de commencer, j'aimerais vous informer que nos documents de formule alimentaire et plan de prophylaxie sont toujours disponibles. Ils sont en 4 versions, la version des poules locales simples, la version des poules locales améliorées, la version des poulets de chair et la version des poules pondeuses. Un document est à 5000 francs CFA seulement et lorsque vous prenez deux documents, vous avez accès à un coaching particulier afin de travailler avec un technicien sur votre projet. Soyez nombreux à nous écrire pour faire la commande. Pour ce faire, il suffit de laisser un message sur le numéro qui s'affiche en dessous et sans plus tarder, c'est parti. Première vertu des feuilles de papayer, c'est que c'est un déparasitant naturel et efficace. Les feuilles de papayer sont reconnues pour être un déparasitant naturel. Que ce soit chez les hommes comme chez les animaux, c'est un déparasitant vraiment excellent. Pour l'utiliser, c'est simple. À cet effet, on utilise donc les feuilles comme ça, qu'on va triturer pour obtenir une solution qu'on sert dans l'abreuvoir. Et lorsque les poules vont boire ça, c'est vraiment efficace. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque les poules consomment l'aliment, que ce soit dans les mangeoires ou bien par terre comme ça, elles vont ingurgiter des parasites, donc des parasites internes, qui vont profiter donc de l'aliment qu'elles consomment, ce qui fait que par conséquent vos poules ne vont pas vraiment évoluer. Côté croissance, côté ponte, vous verrez qu'il y a vraiment des médiocrités. Voilà pourquoi il est important de commencer par utiliser les feuilles de papayer là, qui vont donc laver donc ces parasites là internes et afin de laisser le champ libre à vos poulets, de commencer par vraiment profiter pleinement de l'aliment qu'elles consomment afin de croître de façon exponentielle et que vous aussi vous puissiez obtenir un très bon résultat. Surtout si vous faites l'élevage des poules de chair, les feuilles de papayer peuvent s'avérer être un excellent déparasitant pour vos poules. Et pour un bon déparasitage, vous devez utiliser ces feuilles-là au moins une fois par semaine. Ça vous permettra vraiment d'obtenir de très bons résultats. La deuxième vertu que je tiens à partager avec vous sur les feuilles de papayer dans cette vidéo, c'est que ce sont des feuilles qui servent d'antibiotiques naturels. Les antibiotiques, on l'utilise très souvent dans l'élevage de poulets. On achète à la pharmacie vétérinaire et on l'utilise. Cependant, on pourrait toutefois économiser de l'argent et commencer par utiliser les feuilles de papayer parce que ça vous permettra d'aller vers une production qui est à la fois bio, mais qui est aussi plus rentable du fait que vous économisez de l'argent pour acheter des trucs plus importants au lieu de dépenser de l'argent pour acheter des antibiotiques. Alors que vous pourrez tout simplement utiliser un antibiotique naturel. Les antibiotiques permettent donc d'éviter les maladies qui pourraient provenir de diverses bactéries, microbes, tout ça là. Voilà pourquoi c'est important de les utiliser très souvent. Les antibiotiques aussi sont très souvent utilisés lorsqu'on veut soulager l'animal lorsqu'il a atteint une maladie. Et c'est d'ailleurs ce qu'on fait très souvent. Voilà pourquoi quand vous utilisez les feuilles de papayer, vous allez même être surpris que il est rare de constater un cas de maladie dans votre activité d'élevage de poulets. Les feuilles de papayer sont très bons pour servir d'antibiotiques. Commencez par les utiliser. La troisième vertu des feuilles de papayer, c'est qu'elles facilitent la digestion. L'un des plus grands problèmes que vous puissiez rencontrer lorsque vous faites un démarrage avec les poussins, c'est le manque de digestion chez les poussins ou bien la difficulté de digestion chez les poussins. Le simple fait que leur appareil digestif étant encore fragile, n'arrive pas vraiment à digérer tous les aliments. Souvent, c'est dû au fait que vous servez un aliment qui n'est pas vraiment approprié. Cependant, ce n'est pas très évident. Ça peut toutefois aussi arriver à n'importe quel moment. Voilà pourquoi, quand vous utilisez les feuilles de papayer, vous pourrez donc résoudre majoritairement ce problème-là chez les poussins. Quand vous faites un démarrage, commencez par utiliser dans l'alimentation ces feuilles de papayer-là
vous aussi faire une solution que vous servez dans les abreuvoirs pour les poussins et surtout diluer parce que les poussins ils sont très fragiles. Si vous dosez trop, ils ne pourront pas boire. Donc, il faut vraiment diluer cette eau-là. Ça va donc faciliter la digestion et ça va permettre donc de mieux réussir dans votre activité d'élevage de poulets. Surtout, ce problème de digestion chez les poussins peut conduire à la mort. Voilà pourquoi il est important de commencer par utiliser donc ces feuilles de papaye-là qui vont vous permettre d'éviter ces cas et donc de maximiser votre production. Quatrième vertu, les feuilles de papaye favorisent la croissance des poulets. Comment les feuilles de papaye favorisent la croissance? Écoutez, lorsque vous utilisez les feuilles de papaye, déjà je vous ai dit au premier abord que c'est un déparasitant par excellence. Le problème c'est que les parasites qui sont à l'intérieur des poulets consomment les nutriments contenus dans l'aliment que les poulets consomment. Par conséquent, ces nutriments qui devaient favoriser la croissance des poulets ne sont plus. Et les poulets restent à leur étape initiale malgré qu'ils consomment beaucoup d'aliments. Quand vous commencez par utiliser les feuilles de papaye, ça va donc réduire ces parasites internes-là et par conséquent favoriser la croissance des poulets puisque désormais les poulets vont pouvoir profiter massivement des nutriments contenus dans l'aliment qu'ils consomment. Voilà pourquoi les feuilles de papaye peuvent vraiment contribuer à la croissance des poulets. Si vous faites l'élevage des poulets de chair, commencez par utiliser les feuilles de papaye pour vraiment maximiser la croissance de vos poulets parce que lorsqu'on fait l'élevage des poulets de chair, c'est vraiment ça qu'on vise, la croissance du poulet. Parce que si le poulet ne grandit pas vraiment rapidement comme il se doit, vous verrez que quand vous allez atteindre les 1 mois, 15 jours, c'est-à-dire les 45 jours, vous verrez que vous n'avez pas atteint le poids que vous cherchez, mais de l'autre côté, vous voyez que l'aliment que les poulets ont consommé est vraiment énorme. Ce qui fait que vous n'allez pas pouvoir vraiment gagner énormément d'argent, même parfois vous allez essuyer une perte. Voilà pourquoi il est important de commencer par utiliser les feuilles de papaye pour éviter ce genre de problème qui pourrait toutefois arriver. La première vertu dont j'aimerais vous parler dans cette vidéo concernant les feuilles de papaye, c'est que ces feuilles-là permettent de renforcer le foie et par conséquent le système immunitaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le foie joue un rôle essentiel dans l'organisme, celui de purifier d'une certaine façon l'organisme. Donc, enlever tout ce qui peut être nocif à l'organisme. Voilà pourquoi très souvent, lorsque nous allons utiliser de nombreux vaccins, de nombreux antibiotiques, produits, des parasitants, tout ça là, qui viennent des pharmacies vétérinaires, le foie prend du temps pour pouvoir éliminer les déchets contenus dans ces produits-là. Et le foie se fatigue. Donc, quand vous utilisez les feuilles de papaye, ça va permettre donc non seulement de renforcer le système immunitaire, mais aussi de renforcer l'activité du foie pour que vos poulets se portent à merveille. Ce ne serait pas vraiment intéressant de faire une activité d'élevage de poulets de chair et après un mois, au moment où vous voulez écouler votre marchandise, vous vous rendez compte que les poulets commencent par mourir sans aucune raison. Ce serait vraiment pas bien. Voilà pourquoi il est important d'utiliser les feuilles de papaye. Ça permettra vraiment d'améliorer la production, d'obtenir de très bons résultats et par conséquent de gagner encore beaucoup plus d'argent. Pour vous qui souhaitez aller vers une production qui est vraiment bio, les feuilles de papaye peuvent vous aider vraiment à obtenir de très bons résultats. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, likez, partagez afin que d'autres personnes puissent en profiter. Je rappelle que nos documents de formule alimentaire et plan de population sont toujours disponibles. Pour ceux qui sont intéressés, il suffit de laisser un message sur le numéro qui s'affiche en dessous afin de profiter pleinement de nos offres qui pourront massivement vous aider à améliorer ou bien à développer votre activité d'élevage de poulets en Afrique. Alors, sans plus tarder, on se dit à la prochaine dans une vidéo qui sera encore plus productive. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.